Hello! La dinde, les marrons, le chocolat et la crise de bine, c'est terminé! Alors on s'y remet tout de suite et bonne année! Après les rumeurs et les fakes, on a droit au line-up officiel de Coachella 2017. On dirait que la langue officielle de cette édition va être le français, parce qu'on n'a pas non 1, ni 2, ni 5, mais bien 7 Frenchies qui vont y jouer. Coons, DJ Snake, Breakbot, Brodinski, Madeon, avec Porter Robinson, et bien sûr, ce qu'on n'attendait pas, PNL. Donc si tu veux prendre tes places, eh bien tu peux pas. Ça a été sold out en 3 quarts d'heure. Avicii, le retraité des shows, mais ouais, il joue plus déjà depuis quelques mois, serait en studio pour préparer quoi? Bingo! Un nouvel album. C'est suite à une déclaration d'un des membres de son équipe qui ajoute aussi qu'Avicii et son manager Ash Pourmori, c'est fini. C'est donc Universal Music Suède qui va maintenant s'occuper de la bestiole. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Rien. Juste attendre l'album. Nouvel album également pour Eric Prydz. Alors qu'il a sorti un des albums de l'année 2016, Eric est lui aussi en train de taffer sur un album. Pour 2017. Et on sait ça comment? Oh, juste grâce à cette photo. On dirait qu'il va sortir ça sous le nom Prida. Millennium Tracklist, le célèbre site web de tracklist de DJ, publie les titres les plus joués en DJ set en 2016. Et les trois premiers dans l'ordre sont Promised Land avec Express. Ensuite on a Seed avec No. Et en numéro 3, on a bien sûr Oliver Heldens and Throttle avec le titre Waiting. Laurent Garnier est la Légion d'honneur. Avant ça faisait deux, maintenant ça fait qu'un. Le papa de la techno française reçoit une médaille. Pourquoi? Parce que le ministère de la Culture et de la Communication français l'élève au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Wow! Pour ses 30 ans de service en tant que compositeur et producteur de musique. Plutôt cool, non? Une sacrée récompense pour Laurent, mais aussi une reconnaissance et une mise en avant de la musique électronique dans le patrimoine de la culture française. Et ça, ça passe crème. On en vient au top 3 de la semaine, et cette semaine, ce top est occupé par... En troisième position, le remix du français Loge 21 de Yaya de Travis Scott. En deuxième position, vient se placer Sick Dope avec son remix de DJ Snake et Yellow Claw pour leur titre Ocho Cinco. Précise que Snake a sorti un pack de 27 remixes d'Ocho Cinco, et parmi tous, c'est celui-là que la rédaction a préféré. On en arrive au number one. Première place de stop donc, c'est Kamel Fat, avec encore une fois un remix, et cette fois c'est le remix de Moments de Kidnap Kid. Voilà, c'est over pour cette semaine. Soyez heureux, et à la semaine prochaine.